se mi Allora mi malgeloi asfores <muchos> al fer a mi mora bana gore Pas fera baodimo peser am mogaro ma mi malzaro e se a vou Daxure i minirai filmemera jo del Ker a mi mor bana gore esprovdem. malora i filmin raazao ostera avô manora i fil ge iesprovi delammon aksera alvorei manora i fili sprade manora i filgaro esera vô manora i fil ge alverde raazô filmera olitry Il merazzo as forein Malodimu finguerero Seravid hosperazo a min no Prodel men razem sauve lo ge a se ferrazzo Go mi mon raíprov de los raam, Voilà. Bonjour, bonjour à tout le monde. Que Dieu te bénisse au nom de souverain de Jésus Christ. Partageons la vidéo, la connexion, s'il vous plaît, à un grand nombre de personnes et pour que tout le monde puisse être connecté ce matin et on va partager des moments extraordinaires ensemble. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Ce vendredi, il faut dire que ce soir, à partir de 17h, nous avons atmosphère de miracle du côté de la bire. Le Seigneur nous fera grâce de ce côté-là parce qu'il est notre Dieu et il est fidèle. Celui qui veille sur Israël, il est fidèle. Donc. Le rendez-vous est pris pour 17h du côté de la bière. Ça ne sera plus au foyer Banjoun. Que Dieu te bénisse. Nous partageons l'annonce autour de nous. Et puis par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, dimanche, nous avons un grand culte. On a un très grand culte. Ici toujours à Yaoundé. Et à Douala, le soir, nous aurons aussi un très grand culte. Et avec l'inauguration de la chapelle, la continuation de l'inauguration de la chapelle de village. Donc je serai à village par la grâce de Jésus-Christ. Mardi, mercredi et jeudi. Nous, nous aurons culte à village tous les soirs. Mardi, mercredi, jeudi. Sous le thème, euh, Seigneur, ouvre les portes fermées de ma vie. Voilà. Seigneur, ouvre les portes fermées de ma vie. Voilà ce que nous aurons à développer comme thème ce mardi. Mardi, mercredi, jeudi. Et la gloire de Dieu se manifestera puissamment dans le nom prêché souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc partageons la vidéo, s'il vous plaît. Partage la vidéo avec un ami. Partage-la avec un frère. Partageons massivement la vidéo. Un instant, un instant, doucement. Approche un peu ça. Et, et, ah, débranche un peu, débranche. Débranche. C'est mieux comme ça, laisse, laisse comme ça. Donc, partage la vidéo avec un ami, avec un bien-aimé. Pourquoi pas avec un ennemi aussi? Parce que même nos ennemis doivent profiter de la parole de Jésus-Christ. Donc voilà, partageons cette vidéo. De là nous serons là pendant toute cette semaine-là. Et vendredi, je reviendrai, euh, je reviendrai pour les, euh, le, 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 le service atmosphère de miracle ici à Yaoundé, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et la semaine d'après après le dimanche, nous serons du côté de Bertois pour l'inauguration de notre chapelle de Bertoua. Elle est encore en construction. mais cependant on a déjà tollé, on a mis le piquet. Donc, On va aller. Pendant que la construction, les murs, maintenant on est en train d'attaquer les murs, l'élévation des murs. Mais on ira quand même sous la tente déjà pour euh, saluer l'endroit, consacrer l'endroit au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous serons à Bertois pendant trois jours aussi. Voilà, ce sera à Enya, Enia. Enya. C'est Enya. du côté de Enia. Et Dieu se manifestera aussi puissamment de ce côté là-bas. Que Dieu vous bénisse au nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. S'il vous plaît, envoyons les cœurs et les pouces bleus. Vous savez que nous sommes en train de résoudre un problème fondamental dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, un problème très très fondamental et très crucial. Celui de la vie sentimentale, la gestion de la vie sentimentale dans l'église de Dieu et puis en général dans le monde en général. Père, merci pour ta grâce, merci pour ce moment exceptionnel que nous avons passé dans ta présence, Saint-Esprit, illumine-nous, manifeste ta gloire et glorifie Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous éclaireras et tu nous conduiras. Sois ma source d'inspiration et que chaque parole qui sortira de ma bouche soit pour ta gloire et venant de toi, pour l'édification de ton corps, du corps de Christ. Béni soit ton nom au nom précieux de Jésus. Je prie pour tous les auditeurs, tous les téléspectateurs, tous ceux qui me suivent partout dans le monde entier qui donnent de l'importance à ce thème. Que leur vie soit guérie, que leur cœur soit guéri, que leur destinée soit guérie. Dans leur relation, que ta bénédiction vienne, afin qu'en toutes choses, Christ soit glorifié. Béni soit ton nom, mon Dieu, parce que tu es bon. Au nom précieux de Jésus-Christ, on a prié. Amen. Voilà, partage la vidéo, s'il te plaît. Partageons la vidéo. Envoie les cœurs et les pouces bleus. Voilà. Comment faire pour éviter les blessures sentimentales ou les déceptions amoureuses Voilà. Donc, ça, je pense que c'est quand même un thème qui est une question qu'il faut qu'on se pose. Il faut qu'on trouve des réponses à cette question. Comment faire Comment faire Parce que la déception sentimentale implique tout le monde, tout le monde connaît ce qu'on appelle une déception sentimentale, ça peut arriver à n'importe qui, et en réalité même, si vous demandez à chacun d'entre nous, nous tous, on a eu des déceptions sentimentales, nous tous, moi y compris, dans nous tous là, on a eu des déceptions sentimentales, la déception sentimentale c'est quoi, c'est lorsque tu te mets dans une relation avec une personne, avec qui tu, tu te projettes pour l'avenir, et puis vous vous séparez. C'est ça une déception sentimentale. Ça veut dire que ce que tu attendais de la relation, tu ne l'accomplis pas. La relation tourne au vinaigre et puis il y a une séparation. Vous <laughs> voyez, donc je pense que c'est un peu ça. Les déceptions sentimentales, c'est des réalités que tout le monde, si on demande, dans tous les cas, écoutez en commentaire, dites-nous. Mmh. On dit, mais on ne vous entend pas fort, homme de Dieu. Comment ça? Dites-moi s'il vous plaît, est-ce qu'il y a un problème de son Est-ce qu'il y a un problème de son Et si vous me suivez clairement, je vais vérifier s'il y a sur YouTube. Est-ce que je ne dirais pas sur YouTube déjà Donc les déceptions sentimentales, c'est lorsque une relation de projet de vie avec quelqu'un n'aboutissent pas. Voilà. Là, on dit qu'il y a une déception sentimentale. Et en ce qui concerne les déceptions sentimentales, vous savez, je ne vois pas le direct sur YouTube. Hein. Je cherche le direct sur YouTube, s'il vous plaît. Je cherche le direct sur YouTube. Je cherche le direct sur YouTube. Voilà, la déception amoureuse, c'est lorsque tu aimes une personne, tu souhaites passer ta vie avec la personne, mais cependant, vous n'aboutissez pas. C'est-à-dire le rêve ne s'accomplit pas. C'est ça la déception amoureuse. Parfois, tu peux aimer une personne qui ne t'aime pas, ou aimer une personne qui ne t'aime pas assez. Ou alors, peut-être, tu peux aimer une personne, mais la personne aime une autre personne. voyez ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, la déception amoureuse, chacun, dites-nous en commentaire, dites-nous, s'il vous plaît, si vous avez eu des déceptions sentimentales. Donc, ça peut toucher tout le monde. Il faut faire attention. Et comme j'ai eu l'habitude de dire, on peut voir, il y a plusieurs raisons euh, qui peuvent causer des déceptions sentimentales. Il y a plusieurs raisons. Il y en a tellement. Chacun en a selon son expérience personnelle. Ça peut être que tu découvres à la fin que la personne n'est pas ce que tu pensais. Ou alors tu te rends compte que tes attentes par rapport à la personne étaient illusoires. Ou alors la personne peut te tromper. Ou alors la personne peut t avoir menti. Ou bien la personne n'est pas vraie envers toi. Ou bien tu découvres que la personne ne t'aimait pas. Ou tu découvres que la personne avait une autre vie ailleurs. Mais te tromper. On a eu des personnes. Qui sont engagés avec des hommes ou des femmes, mais qui étaient mariés déjà, qui avaient des enfants même ailleurs. J'ai suivi une histoire triste comme ça au Gabon. Vous voyez, dans une église où un ami persévérait, et puis la, la fille du pasteur, la fille du pasteur, eh, c'était quand même, c'était un peu comme le diamant dans l'assemblée. C'était comme le diamant de l'église. Il y a un jeune homme qui est venu là, un bel homme, bien bâti, bien formé, gars chic là, qui arrivait arrivé, fils. Genre, tu te dis, c'est un fils de millionnaire, multimillionnaire. Et puis, il a séduit le cœur de la jeune femme, que personne dans l'église n'avait pu séduire parmi les frères. Et ils se sont mariés. Et on a découvert après que le gars était marié au Congo, c'était un Congolais. Ouais. Il était marié au Congo, et il avait une femme, et il avait des enfants. Voilà comment la fille du pasteur va faire des, 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 des crises d'angoisse. Finalement, elle va mourir de ça. Elle va mourir à cause des soucis. Ouais. Donc il y a des personnes, la, la, la déception amoureuse est une chose normale, mais à un certain niveau ce n'est plus normal. Euh, vous voyez, à un certain niveau, ce n'est plus normal. Parce que si vous faites la différence entre une déception amoureuse naturelle, normale, c'est-à-dire humaine, naturellement acceptable, et une déception amoureuse maléfique quand Satan met sa main ou quand la sorcellerie est dedans. On dit que la radio ne donne pas. Je vais vérifier tout ça là, tout à l'heure. Merci. S'il essayez, vous essayez sur YouTube, les gens me suivent. On dit la radio ne donne pas. Donc, vous voyez, une déception amoureuse, une déception sentimentale est normale. Mais à un certain niveau, ce n'est plus normal. Parce que normalement, chaque homme est fait pour avoir une femme. Et chaque femme est faite pour avoir un homme. Bon, maintenant, en ce qui concerne les déceptions sentimentales aussi, il faut faire aussi attention parfois. Il, il, il y a. On peut. Ce que je veux dire, très, très, très. C'est très. très, très très sérieux, parfois on peut rater l'homme de sa vie, on peut rater la femme de sa vie. On peut rater l'homme de sa vie, on peut aussi rater la femme de sa vie. C'est-à-dire que tu peux, si tu n'es pas attentif à cause de certains problèmes, tu peux quitter une relation, pourtant c'était ta dernière chance en fait. Vous voyez. pourtant c'était ta dernière chance. Euh, tu n'as pas su que c'était l'homme de ta vie ou bien la femme de ta vie et puis tu quittes la relation et puis tu te rends compte des années plus tard que wow, je pouvais gérer la situation si différemment, je pouvais faire autrement, on pouvait s'en sortir. Il y avait une solution en fait et ce n'était pas une situation sans solution, ce n'était pas une situation impossible vous voyez mais là après des années passées quand on se pense on se dit toujours bon devant je trouverai je rencontrerai mais comme tu ne connais pas comment devant sera mais tu vas comment à l'aventure à l'aveuglette. La et puis voilà parfois après des années on se rend compte que non parmi toutes les rencontres que j'ai eu telle femme là quand même c'était avec elle je serais heureuse aujourd'hui ou bien tel homme c'était avec lui je serais heureuse aujourd'hui voilà. donc ça fait que lorsque vous êtes en couple il faut il faut fouiller il faut bêcher il faut chercher profondément dans la relation pour savoir et si ce n'est pas l'homme de votre vie ou bien la femme de votre vie, vous posez aussi la question de savoir si -ce ces problèmes ne sont pas résolvables. Ouais, J'ai suivi un témoignage à l'église dernièrement d'une jeune femme, une, maman, une jeune maman, qui a témoigné qu'elle s'est séparée d'avec son mari, c'est-à-dire l'amour de sa jeunesse, ils se sont mariés, ils se sont séparés pendant dix ans. Et après les dix ans, ils se sont rendus compte qu'ils avaient commis une grave erreur, ils avaient divorcé. Et ils sont revenus se remarier. Aujourd'hui, ils sont heureux. Ouais, c'est une histoire qui est restée gravée dans mon esprit. Parce que c'est une histoire forte. C'est une histoire extrêmement forte, en fait. Vous voyez. Donc, chacun de nous devrait tirer des, des, des leçons, des exemples comme ceux-là. Ils sont mariés. Ils se sont mariés. Ils ont vécu ensemble. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient vraiment invivables à deux, incompatibilité d'humeur. Et puis, ils se sont séparés pendant dix ans. Chacun a fait sa vie de son côté. Mais après, ils se sont rendus compte, chacun de son côté, que ah, cette femme-là, c'est la femme de ma vie. L'homme-là, c'est l'homme de ma vie. Et puis, ils se sont remis ensemble. Et ils se sont mariés. Et elle nous a dit à l'église qu'ils sont très heureux aujourd'hui. Ça fait des années qu'ils se sont mariés. Donc, parfois, on peut se rendre compte comme ça. Et puis, chacun livre de son côté, Mais bien chacun a eu des expériences bêtes de son côté. Et puis, les deux reviennent. Parfois aussi, il se fait tard. Peut-être quelqu'un quelqu s'est greffé ailleurs. Et donc, il faut faire attention. Dans les relations sentimentales, il faut bien analyser la situation. Il faut l'analyser d'un plan de vue humain, d'un plan de vue spirituel aussi pour comprendre de profondeur. Est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie Est-ce que c'est la femme de ma vie Il faut savoir que si vous faites un mauvais choix, par exemple, vous êtes attaché à un homme de qui vous n'êtes pas issu, ou bien à une femme qui n'est pas sortie de votre côte, vous serez tourmenté, 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 tourmenté. Vous voyez Vous serez toujours tourmenté, toujours dans le tourment. Et là, ça fait que, en vérité, vous allez finir par vous séparer. Vous serez pas heureux. Tout comme vous pouvez être fait l'un pour l'autre, mais toujours être tourmenté parce que vous gérez mal les conflits, vous gérez mal les problèmes en fait. Donc, avoir trop de problèmes dans un foyer ne veut pas dire que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Et avoir trop de problèmes aussi dans un foyer ne veut pas dire que vous êtes fait pour être ensemble. Donc, il faut analyser chaque chose. Il faut analyser chaque chose. Et chaque relation, euh, elle est unique en fait, en son genre. Chaque couple est unique. On ne peut pas prendre le modèle d'un couple pour l'imposer à d'autres couples. Il y a des choses qui vont de façon universelle pour tous les couples, mais il y a aussi des choses qui sont distinctives à chaque couple. Oui. Donc il faut comprendre cela. Il ne faut pas toujours tirer les exemples bêtes de tous les couples. D'un autre couple, c'est non, telle vie comme ça, telle vie comme ça. Oui. Donc je disais qu'il y a un célibat, il y a des décisions sentimentales qui sont normales à un certain niveau, mais aussi à un certain niveau où tu te rends compte que c'est trop, c'est exagéré. Ce n'est plus normal. Même les personnes qui supplieraient pour être avec toi te méprisent. Là, je dis il y a un problème. En ce moment-là, on peut chercher spirituellement la cause. Parce que Satan peut se mêler à ta vie sentimentale pour te la faire dure. Satan peut te cribler. Il peut, il peut te rendre... Il peut, il peut détruire ta vie sentimentale. Satan peut faire en sorte que tu ne sois pas heureux sur le plan sentimental. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer dont le diable peut dévorer ta vie sentimentale. Lorsque tu entres dans ce domaine, ton célibat n'est plus normal, tes déceptions amoureuses ne sont plus normales, mais elles sont une maladie spirituelle. Ça devient une maladie spirituelle, en fait. En ce moment-là, il faut faire attention. C'est-à-dire, lorsque tu as une relation, elle est évidente, tu donnes tout ce que tu dois faire dans la relation, tu te reproches de rien, tu es correct. Mais cependant, la personne, les, les gens te méprisent, les gens te négligent, les gens, pour rien, on te crache au visage. On te rejette pour rien. Pourtant, tu sais que tu t'as tu sais que tu donnes le meilleur de toi à la relation. Et puis, mais toujours, ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Pour rien, quelqu'un t'abandonne. Pour rien. Ou bien, on, on, on te hait pour rien. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de rejet. Oui. L'esprit de rejet. L'esprit de rejet, ça veut dire que pour rien, quelqu'un te hait. Et l'esprit de rejet peut se manifester même dans le mariage. Vous voyez. si vous, vous n'en avez pas fini avec l'esprit de rejet, dans votre vie. Tu peux être marié à un homme qui t'aime ou à une femme qui t'aime, mais subitement la personne a, a de la répugnation pour toi, elle éprouve de la répugnation pour toi. C'est-à-dire, tu répugnes la personne. Pour rien, même dans le mariage, ça arrive. Tu dis bonjour, la personne interprète ça mal, ça devient des problèmes. Elle t'insulte en fait. Dès que la personne te voit seulement, elle est nerveuse, elle n'aime pas te sentir, elle n'aime pas que tu la touches, elle n'aime pas que tu lui parles, elle n'aime pas que tu t'assises à côté d'elle. Elle te répugne. C'est une force. Ouais, C'est une puissance maléfique, en fait, qui agit en ce moment-là. Et il y a ça, c'est un esprit de rejet. C'est-à-dire tu es répugné par les gens, en fait. Et ça, on peut vivre ça même dans son travail. C'est un esprit qui peut ne pas seulement agir dans ta vie sentimentale, mais aussi dans ta vie professionnelle. Il y a des personnes, ton patron, pour rien, te répugne. Tes collègues te répugnent. Les gens ne t'aiment pas, pour rien. Ce sais pas que tu as mal fait quelque chose, ou bien que tu es mauvaise personne, ou bien que tu te conduis mal, ou que tu es désagréable envers les gens, mais juste que les gens te répugnent. Pourquoi Parce qu'en en fait, tu as un parfum spirituel maléfique. Qui fait en sorte que tu dégages une mauvaise odeur. Ouais, il faut que les gens comprennent le principe des parfums spirituels. Les parfums spirituels sont une réalité. On peut avoir un bon parfum comme un mauvais parfum. Une personne qui a un bon parfum spirituel, partout elle arrive, on l'aime. Tous les hommes t'aiment. Tu vois? Tout ce que tu fais, les gens apprécient, on t'aime, tout le monde veut s'identifier à toi, etc. Et il faut savoir que dans le monde mystique et maléfique, c'est ce genre de personnes que les mystiques, les femmes maléfiques ou les hommes maléfiques recherchent. Les gens qui ont une étoile qui brille, les gens, <laughs> les gens qui ont une étoile qui brille, ouais, les, les gens qui ont une forte étoile, qui ont un grand aura. Et parfois les, les, les mystiques, c'est ce genre de personnes là qu'elles cherchent, qui cherchent que ce soit les femmes ou bien les hommes. Et puis pour, on dit qu'on a volé leur étoile, on dit qu'on a volé l'étoile et puis on a cherché mon étoile. C'est un peu ça. Et je me souviens que un homme de Dieu est venu me voir et il se plaignait. Il se plaignait d'une jeune femme, d'une jeune femme, d'une de ses filles, qui l'accusait, qui l'accusait en disant qu'il et, et, et avait chuché son étoile. Il disait, qu non, je suis là, ici, là, tu veux chucher mon étoile. Et puis, son père spirituel lui a dit, qu attends d'abord, pardon, je veux quoi Je veux voler ton étoile, chucher ton étoile, hein? Voler ton étoile, elle avait dit voler ton, mon étoile. Et son père, je lui a dit Attends, ma fille, tu as d'abord six, six enfants, avec huit pères différents. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui ont deux, deux pères. Parce que tu ne connais pas qui est exactement le père. Où dormir, tu n'as pas où dormir. Tu n'as même pas de bailleur. Manger, tu n'arrives pas à manger. C'est moi-même qui te nourris. C'est l'église qui se bat pour te nourrir. Le travail, tu n'as pas. Tu es chômeur. Et donc je veux sucer le genre d'étoile là. Chaque l'étoile. On était marié pendant 10 ans mais il ne m'aimait pas. Ça c'est Gabriel Gobi qui dit. Gaudi. On était marié pendant 10 ans mais il ne m'aimait pas. Ouais, c'est dangereux. Tu ne peux pas ne te marie pas d'une personne qui ne t'aime pas. Ne te marie pas d'une personne qui ne t'aime pas dont tu n'es pas sûr de l'amour. Quand tu n'es pas aimé, ça se ressent mes amis. C'est la même chose que Léa a vécu dans son mariage. Elle n'était pas aimée. Donc son pasteur lui a dit, toi, plein de malchance comme ça, ton, le jac de ton étoile, on fume même ça. Toi, c'est peut-être l'étoile de mer que tu as. Tu n'as pas une étoile. Quand on parle des gens, toi, on les étoiles ici, c'est les personnes qui marquent leur génération. Toi-même, tu, tu es SDF. Tu viens dire que oh, c'est mon étoile. Quand tu as l'étoile, peut-être l'étoile de mer. Ouais, donc c'est un peu ça que les gens doivent comprendre. Il faut faire attention. Sois jaloux de ta vie parce que tu es responsable de ta vie, de, du domaine de ta vie. Maintenant, lorsque tu vas de déception sentimentale en déception sentimentale, toi-même, tu dois raisonner. Parce que lorsque tu es une femme ou un homme qui a tous les atouts pour se marier, qui a tout ce qu'un homme peut chercher en une femme ou tout ce qu'une femme peut chercher en un homme, mais tu n'arrives pas à trouver une épouse, il y a un problème en ce moment-là. Il y a un problème. La Bible dit clairement, il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ça veut dire quoi? Lorsque si tu fais cette équation sentimentale, elle explique simplement que chacun peut avoir sa chacune. Chacun doit avoir sa chacune. Bon, mais nous sommes des bantous. Parfois, ton cordon ombilical a été enterré ou il ne faut pas qu'il soit enterré. Peut-être il a même été détourné, on l'a volé. Tu es une bonne femme, tu es quelqu'un de bien, tu es une femme gentille, une femme au foyer, tu aimes travailler, tu prends soin de, de, de ton de ton homme, tu prends soin de ta maison, tu es une femme exemplaire, modèle, mais les hommes n'arrivent pas à voir ça. Qu'est-ce qui cache cela Il faut déchirer ce voile. Tu peux être une bonne personne, mais tu es sous un voile maléfique en fait. Le diable fait en sorte que les hommes n'apprécient pas, ou bien les femmes n'apprécient pas cela. En ce moment-là, il faut une délivrance. Il faut délivrer la personne. Il faut des enseignements qui puissent ouvrir les yeux à la personne pour qu'elle prenne des mesures spirituelles adéquates pour pouvoir savoir. Bon maintenant, il faut savoir que l'esprit de rejet peut se manifester de plusieurs façons dans la vie d'un homme ou bien d'une femme. Il peut affecter ton comportement, ton caractère. Oui. Il faut que les gens comprennent cela. Il peut affecter ton comportement, ton caractère. Dans une relation où tu es bien, mais tu te comportes mal, après tu perds la personne. À partir de ce moment-là, c'est après que tu te rends compte que non, j'avais mal géré la relation. Ou alors parfois, l'esprit de rejet peut se manifester par l'aveuglement spirituel. L'aveuglement spirituel, c'est quoi C'est que tu devais aveugle. Tu ne vois pas le don de Dieu. Un peu comme la femme samaritaine qui était au bord du puits de Jacob. Elle est devant le Messie, mais elle ne reconnaît pas que c'est le Messie en fait. Et puis Jésus-Christ va lui dire, si tu savais quel est le don de Dieu, et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi-même qui m'aurais demandé à boire, je t'aurais donné de l'eau vive en fait. Donc tu peux être parfois aveuglé. Tu es devant l'homme de ta vie ou la femme de ta vie, mais l'opportunité de ta vie, mais tu ne te rends pas compte. Et puis tu perds. Comme la Bible dit, tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Ouais. À partir de ce moment-là, il faut comprendre que là c'est un problème spirituel déjà, c'est une affaire spirituelle, elle n'est pas normale, elle est spirituelle et il faut s'attaquer à ce problème de manière spirituelle. Donc il faut que les gens comprennent. Et, et là c'est après que tes yeux s'ouvrent toujours, et tu dis, ah si je savais un peu comme Judas Iscariot, ouais. Ces yeux vont s'ouvrir après, et puis il va se dire, ah, et, et vous savez, chacun de nous peut rendre témoignage, homme ou femme. Peut-être une fois, que, ah non, l'homme là, je pense que c'était l'homme de ma vie. Et la femme là, c'était une opportunité extraordinaire. Depuis, j'aime plus rencontrer des personnes comme ça parce qu'on rencontre des personnes. On peut rencontrer beaucoup de bonnes personnes. On peut rencontrer beaucoup de bonnes femmes, beaucoup de bonnes, euh, bon, bons hommes, bons hommes. Mais cependant, il y a un genre de personnes qu'on rencontre une fois dans sa vie. C'est des personnes qu'on n'oublie pas. Voilà pourquoi il faut faire attention. Lorsque nous gérons nos conflits, dans nos couples en fait. Ouais. Donc quand tu es dans un couple, fais attention. Il ne il, il, il faut pas gérer les conflits par la colère ou bien par l'extrême colère ou par orgueil ou je sais pas par mégalomanie, par je ne sais pas trop quoi. Donc il faut faire attention. Il faut avoir du discernement dans les relations. Donc à partir du moment où tu te rends compte que toutes tes relations capotent, toutes tes relations capotent, toutes tes relations, même là où tu n'as rien fait, pour rien, quelqu'un disparaît. Quelqu'un peut venir là de très grandes intentions envers toi, et de bonnes intentions, de belles intentions, au premier jour, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime fort. Tu ressens un amour fort. Mais comme c'est venu fort, c'est aussi fortement comme ça que ça disparaît. La personne disparaît aussi. Après, tu appelles, elle ne prend le téléphone, tu écris, la personne répond, la personne te bloque partout, etc. Et ça arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème sérieux. Nous avons marié ta Viviane qui dit, Papa, moi j'ai cinq enfants avec cinq pères différents. Voilà, Marie ta Viviane, il faut, il faut dire qu'il mm, y a un problème, vous voyez. Avoir cinq enfants avec cinq pères différents, ce n'est pas un péché. Mais cependant, c'est une erreur en fait. C'est une erreur. Vous pouviez le faire différemment. Il faut que les gens comprennent cela. Vous pouviez faire ça différemment. Il était possible d'avoir, euh, d'attendre, avoir les enfants dans le mariage, quelqu'un dira, est-ce que je suis sûr que le mariage allait venir euh, Tout c'est la foi et tout c'est ce que vous, la détermination de votre cœur. Une femme qui est vraiment, vraiment déterminée à se marier, va se marier. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Ouais. Mais quand vous avez déjà cinq enfants avec cinq pères différents, j'ai l'habitude de vous dire qu'à chaque enfant que vous donnez hors mariage, vous aménuisez vos chances de vous marier. Ouais, parce qu'il y a tellement de femmes dehors et que les hommes ont tellement de choix. Ils peuvent choisir une femme qui a les enfants mais qui n'a pas les enfants. Mais la majorité des hommes vous diront qu'ils préféreraient avoir une femme qui n'a qui pas les enfants. Et j'ai expliqué hier que le cas d'une femme qui a plusieurs enfants et le cas d'un homme qui a plusieurs enfants, c'est différent. C'est-à-dire qu'un homme qui a plusieurs enfants a plus de chances d'avoir une femme sans enfants qu'une femme qui a plusieurs enfants avoir un homme. Même s'il a même plusieurs enfants, ça va poser beaucoup de problèmes. Donc, à chaque enfant que vous accouchez, vous aménuisez vos chances de vous, vous, vous marier. Il faut que les femmes comprennent cela. C'est quelque chose de, de, de sérieux. Mais cependant, ça, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous marier ou que vous n'aurez pas une bonne personne, un bon mari. C'est faux. Vous pouvez avoir 10 enfants avec 15 pères différents, mais Dieu vous donne de vaincre la barrière du célibat, du rejet sentimental, la déception amoureuse sentimentale. Et vous avez un bon mari. Un mari qui vous rendra plus heureuse que la femme qui n'a pas d'enfant, la mère célibataire sans enfant. Donc ça ne veut pas dire que quand vous avez beaucoup d'enfants, il faut vous décourager. Ça veut dire que vous êtes rejeté, vous êtes abandonné, personne ne vous épousera. Non, au contraire. Vous devez toujours croire. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes, en tous les qu'ils aient à se repentir, afin que des temps de rafraîchissement leur viennent de la part du Seigneur. Donc ça veut dire que tu peux avoir même 10 enfants, 20 enfants, mais tu as la chance de ta vie. Dieu t'envoie un homme parce que ton cœur il est bon, parce que tu as la foi que toi, c'est l'erreur du passé, tu ne peux plus refaire ces erreurs-là. Tu t'engages à marcher avec Dieu cette fois-ci, à être une femme correcte, mais Dieu t'envoie un homme bien. Il te prend avec tous les enfants, il t'adopte avec tous les enfants. Nous on a eu un exemple ici comme ça, où un frère est quitté des États-Unis pour venir chercher sa femme au Cameroun ici. Il est allé dans une église de l'un de mes papa. Lorsqu'il est arrivé dans cette église-là, on lui a montré une jeune fille, une diva, mère célibataire sans enfant, une très belle femme. Et à côté, il y avait aussi une soeur qui avait aussi été quatre enfants, avait peut-être trois pères différents. Mais le frère, lorsqu'on lui a dit, il a demandé plutôt au pasteur, il a demandé à son pasteur, au pasteur qui est euh, homme de Dieu, la soeur-là c'est qui La soeur-là qui. Qui chante bien la chorale là. Et son père spirituel. L'homme de Dieu lui a dit que non. C'est une soeur là. Mais pourquoi tu demandes Et il a dit que je voulais l'épouser. Le pasteur. C'est le pasteur même qui lui dit que non. Elle a quatre enfants. Mais voilà l'autre soeur là. Elle est très belle. Elle est plus belle. Elle est jeune. Son corps n'est pas abîmé. L'autre là. Les seins sont déjà tomber. Tu vois. Et son ventre refuse de rentrer à sa place. Son ventre se révolte. Un peu comme euh, euh, Wagner. se révolté contre Vladimir Poutine. Il refuse d'entrer, retourner dans sa caserne. Il dit que le ventre refuse de retourner dans sa caserne. Et puis en plus, même elle a des vergetures, tu vois. Mais celle-là, elle est bien. Elle est jeune, elle est pimpante et tout ça. Et donc, lui, il va rester quelques jours. Après, il va dire au pasteur que non. Finalement, j'ai réfléchi, c'est celle qui a quatre enfants que j'ai. C'est sur elle que mon cœur va. Parce que lui a dit que tu es aveugle ou quoi, mon frère Qu'est-ce qui t'arrive On te montre une femme qui est bien pour toi, qui n'a pas d'enfants. Celle-là, c'est les pères de ses enfants là vont te déranger. Il ne faut pas l'épouser. Elle est déjà une patapouf. Elle est finie. Elle a Son mandat est fini. C'est un pré, un, une présidente à la retraite. Personne ne la votera plus. Le frère dit non, c'est elle que je veux. Ah, le passé était obligé. Il était obligé de le laisser faire ce qu'il voulait. On ne peut pas aussi te forcer d'épouser quelqu'un. Donc, finalement, il a reconnu les quatre enfants de cette femme. Il a fait leur papier. Il l'a épousé, ils sont retournés aux États-Unis, ils sont là aujourd'hui, ils sont heureux. Et ça, vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que tu as les enfants que ça veut dire que tu es disqualifié. C'est n'est pas ce que nous disons. Parce que quand tu es né de nouveau, la Bible dit clairement Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, Voici bah, si toutes choses sont devenues nouvelles. Sauf si, étant en Christ, tu continues à accoucher les enfants. Au mariage. Et en Christ, là, en ce moment-là, on dira que vraiment, tu es une malade mentale. Tu es une retardée. Ou c'est attardé, ou c'est retardé. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Parce qu'il y a un temps pour commettre des erreurs. Il y a aussi un temps pour prendre conscience de ces erreurs et les réparer. David a dit, il dit, pardonne les péchés de ma jeunesse. Je ouais. pardonne les péchés de ma jeunesse. Quand une femme dit que ah, le mariage, c'est quoi Oh le mariage c'est quoi Le mariage c'est quoi Mon ami, le mariage on ne joue pas avec. C'est Dieu qui a institué cela. Comme pour dire que le vrai destin d'un être humain s'accomplit dans le mariage. Et du point de vue de la conscience universelle, on respecte la femme mariée par rapport à ce qui n'est pas marié. On respecte aussi un homme marié par rapport à celui qui n'est pas marié. Il faut que les gens comprennent cela. C'est une réalité en fait. Même nous qui sommes les hommes de Dieu, un homme de Dieu qui est célibataire n'a pas la même aura qu'un homme de Dieu qui est marié. Le nom madame-là, madame telle-là, madame telle-là, madame il y a une gloire dedans. Il y a une gloire. Et c'est Dieu lui-même qui à l'origine de cette gloire. La femme retrouve sa gloire et son honneur, sa dignité dans le mariage. L'homme aussi retrouve sa dignité dans le mariage. Il faut que les gens comprennent cela. Donc la dignité dans le mariage. Tu ne peux pas être une fois, tu dis, ah le mariage c'est quoi On peut quoi avec le mariage Le mariage c'est quoi Bon, le mariage c'est rien. Mais les enfants que tu vas faire dehors, entre toi qui as les enfants dehors et celle qui a les enfants dans son mariage, qui est respecté, Mais sur le plan social, qui est respecté en fait, sur le plan culturel, dans toutes les sociétés de la terre, on vous le dira. C'est la même chose dans la quasi-totalité. Et aux yeux des États, qui est respecté, la femme mariée, elle a un statut reconnu par le gouvernement, par l'État lui-même, par l'Église, par Dieu, par le ciel. Le ciel ne reconnaît pas la concubine, le ciel ne reconnaît pas les copines. Le ciel ne reconnaît pas cela. Ce que le ciel reconnaît, c'est la femme mariée, c'est celle qui est dans un foyer, celle qui est sous la couverture d'un homme. Le ciel la reconnaît, le ciel l'honore. Donc, le mariage est une gloire pour l'homme et pour la femme. C'est juste qu'aujourd'hui, le mariage a perdu sa valeur. Nous vivons tellement mal. Le modernisme nous a tellement fait du mal que aujourd'hui. Les gens avaient les réseaux sociaux aussi, la mondanité est venue dans l'église, etc. Et puis les gens vivent très mal. On, le mariage a perdu sa valeur. Même les hommes ne se marient plus. Et je pose une question pourquoi il y a plus autant de mariages dans l'église aujourd'hui qu'avant Ça veut dire que la mauvaise vie s'est accrue et la vie de consécration a diminué. C'est tout ce que ça veut dire en fait. C'est un rapport de force. Qu'est-ce que ça veut dire clairement Clairement, ça signifie que Beaucoup d'hommes qui ne se marient pas là se soulagent ailleurs, autrement. Ils vivent, ils ont des copines dans l'église, hors de l'église. C'est que les gars ont les femmes. Si un homme peut avoir trois femmes, quatre femmes, et on lui fait c'est qu'une femme mariée peut lui faire, il va encore aller se marier, pourquoi Et je vous pose même une question simplement. Je parle surtout aux femmes, parce que c'est pour les femmes qui est compliqué en fait. Vous voyez. Lorsque tu es avec un homme. Et, sauf si c'est un, un homme responsable, en fait, dans son esprit, un homme qui a la dignité, qui te promet, qui va t'épouser, t'épouse. Déjà, personne qui respecte sa parole. Mais si tu es avec un homme, tu lui fais ce qu'une femme mariée doit faire à son mari. Tu lui donnes déjà tout, en fait. Mais en réalité, il va encore t'épouser. Pourquoi C'est pour ça que vous allez remarquer que dans vos relations, dehors là-bas, la plupart du temps, tu habites déjà avec un homme. Tu vis dans la maison avec lui. Tu prépares pour lui. Tu laves ses habits. Tu couches avec lui, tu fais les enfants pour lui, et tu lui dis que va m'épouser. il va aller te poser. Pourquoi en fait? Puis on se marie pour avoir ça, mais il a déjà ça sans mariage. Pour lui la valeur du mariage n'a plus lieu en fait, puis il est satisfait, il est comblé. Et tu lui donnes tout ce qu'une femme doit donner à son mari. Il n'a plus besoin de mariage. Il va te tourner que non j'ai pas l'argent Oh non, mais les, les enfants, il a le, assez d'expérimentateurs, pour les bombarder les enfants. Il te bombarde les jumeaux, les triplés, les quadriplés, etc. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention. Donc il est important, euh, je vois, je vois. il y a une fille de Sion qui dit Mais j'ai croisé un homme de parole. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais c'est quand vous allez vous marier qu'on va confirmer que c'est un homme de parole. Et qu'après le mariage, il ne va pas te déranger. Là, on dira c'est une parole. Vous ne pouvez pas dire maintenant que c'est un homme de parole, en fait. Je ne doute pas que ce soit un nom de parole. Ça peut être un nom de parole. Et je souhaite même que ce soit un nom de parole. Mais cependant, le jour où il va t'épouser, tu comprendras que nom de parole. Et qu'après le mariage, il va te choyer du même amour, il va t'aimer toujours, te garder, te chouchouter. Alors là, tu nous diras que nom de parole. Et nous-mêmes, nous répondrons c'est un nom de parole. Pour le moment là, on met ça en réserve d'abord. Donc, il faut que les gens comprennent, bien aimé, que lorsque tu remarques donc que il euh, y a des, des sessions sentimentales, la répétition dans ta vie. Première chose, il faut te poser la question, c'est naturel ou c'est spirituel? C'est ça qu'il faut poser comme question. Et quand tu es dans une relation, est-ce que c'est une bonne personne pour moi? Tu peux rencontrer une bonne personne, mais tu es impatient. Tu es impatient. Écoute-moi bien, tu peux rencontrer une bonne personne, mais qui n'était pas prête déjà. Son processus hum, de, de changement n'était pas à terme. À ce moment-là, il faut être patient pour que la perfection de la personne, euh, sa transformation soit amenée à la perfection. Bon, mais parfois, si tu es trop impatient, tu ne verras pas l'or pu sortir de cette personne. Et puis demain, quelqu'un d'autre va profiter de ce que tu as commencé. Et que si tu comprends. Donc, à ce moment-là, parfois, il faut être patient. Il faut être patient. Mais trouver les bonnes personnes pour le mariage quand tu rencontres quelqu'un et que tu penses, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Rencontrer les bonnes personnes, ce n'est pas facile. Il y a les gens. Si tu veux des candidats pour le mariage, il y en a. Quelqu'un pour t'aimer, il y en a. Il y en a tellement. Mais la bonne personne, les femmes, ça ne manque pas. Il y en a tellement. Mais l'épouse, l'épouse, mes amis, la femme qui va t'aimer, qui va te respecter, qui va te chouchouter, te choyer, te tenir comme un neuf. Les hommes, il y en a. Mais l'époux, l'homme qui va te valoriser. Qui va t'aimer, qui va te chouchouter, qui va te choyer, qui va te protéger, qui va te garder. C'est ça qui est difficile aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tellement de bandits sentimentaux et des bandites sentimentales. C'est des femmes qui sont là, elles ont d'autres objectifs et dont le caractère n'est pas prêt et n'ont aucune volonté de changer. Des hommes qui sont là sur le sexe, ils veulent avec toi, tu vois, ils ont d'autres intérêts, c'est pas t'épouser en réalité, mais comme ils savent que les femmes aiment le mot je vais t'épouser, alors automatiquement, ils vous disent ce que vous voulez entendre. Ils vous dit ce que vous voulez entendre. Parce que pour avoir une femme aujourd'hui, dis-lui simplement je vais te t'épouser, c'est fini. Elle est dans le panneau. Elle est prête à tout te donner. Donc, qu'un homme te dit je vais t'épouser, ce n'est pas une garantie. Ou qui prend soin de toi avant le mariage, ce n'est pas une garantie. C'est le jour où il te pousse là que tu comprends que Ah, d'elle t'es sérieux. C'est ça qui est la vérité, en fait. Il faut que les femmes comprennent cela. Tu ne peux pas baser tout ton espoir sur une promesse. À moins que c'est vraiment une personne de parole. Parce qu'il y a des hommes de valeur, comme il y a des femmes de valeur. Il y a des femmes qui savent, qui savent prendre soin d'un homme. Des femmes soumises. Et c'est une espèce rare aujourd'hui, vous voyez. Et parfois aussi, les déceptions amoureuses viennent à cause du mauvais caractère que nous avons, que ce soit les hommes ou bien les femmes. Tu ne peux pas être une femme. Tu es insoumise. Tu n'as aucun sens de respect, aucun sens de maturité, aucun sens de patience. Il y a une question que je veux même vous poser. Et je vais la poser, je vais faire une publication sur ça. Chacun de vous, sur ma page, va donner son point de vue. C'est mieux comme ça. Ouais. Donc une femme, une femme doit être mature. Une femme. Et la même chose pour un homme, il doit être mature, il doit savoir ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Parfois, j'en ai cette femme dire, ah moi je préfère sortir avec les hommes matures parce qu'eux au moins, ils savent ce qu'ils veulent. Ouais. Il faut être un homme qui sait ce qu'il veut. Quand tu es avec une femme, tu ne dois pas attendre qu'elle te dise que j'ai besoin de Quand tu as le moyen, selon le moyen que Dieu t'a donné, tu prends soin d'elle, tu la gardes, tu la présentes, tu as une haie de sécurité autour d'elle. Tu peux voir ses besoins, tu l'aimes, tu la choisis, tu la chouchou, tu la protèges. Tu peux voir tous ses besoins. C'est ça en fait un homme. Une femme a besoin de se sentir aimée et l'homme a besoin de se sentir respecté et aimé aussi. Oui. Voilà papa, comment savoir si c'est l'homme de ta destinée Bon, je vais répondre à ça, c'est un peu compliqué mais je vais essayer de répondre. Ça c'est Jeanne. Zoc qui le dit. Comment savoir que c'est l'homme de ta destinée? La première chose, c'est lorsque tu as la paix dans ton cœur. Il y a une paix qui est dans ton cœur. Et la Bible dit c'est la bénédiction de l'éternel qui enrichit enrichie et n'est subie d'aucun chagrin. Vous pouvez avoir les problèmes, mais tu as la paix au fond de toi. Lorsque tu as une ferme conviction. Oh la foi, tu es une assurance, chose qu'on ne voit pas, une ferme assurance, des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celle, une ferme assurance, qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Tu as une ferme assurance dans ton cœur que ça, c'est l'homme de magie, ou bien la femme de magie. La paix, l'assurance, même dans les tourments. Là, tu sais, ça c'est l'homme de magie. Trois, lorsque tu te rends compte que depuis que tu avais la personne, tu avances. Ta vie spirituelle avance. Ta relation avec Dieu avance. Tes affaires avancent, tes projets avancent. Là, tu sens que tu es bien, tu t'épanouis, tu, tu n'es pas détruit. Tu n'es pas détruit en fait. Ouais. Mais si tu croises une personne, un homme, une femme, mais tu es toujours chagriné, tu es toujours amer, tu ne prospères en rien, ta vie n'avance en rien, il n'y a rien de positif qui sort de la relation, sinon la destruction et la mort, la sécheresse, en ce temps-là, ce n'est pas de bon signe. Parce que ce qui vient de Dieu n'est pas toujours facile. Il y aura des problèmes. Mais au fond de toi tu es épanoui en fait. Au fond de toi, il y a cette paix, au fond de toi tu sens que tu avances, il y a quelque chose de positif, que tu gagnes de la relation, quelque chose qui te fait mieux être l'homme ou la femme que tu devrais être. Ouais, c'est un peu ça. Bon, il y a d'autres signes euh, qui sont parfois euh, qui sont parfois, euh, comment dire cela, adaptatifs à chaque situation. Donc, bien aimé, ton caractère doit être un exemple. Les relations sentimentales demandent beaucoup de patience. Ce n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas pour les enfants. Le mariage n'est pas pour des personnes impulsives. Si tu es impulsif, tu ne peux pas mener une vie sentimentale normale. Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'un homme est impulsif, lorsqu'une femme est impulsive, il y a un problème. Tu ne peux pas. Parce que tu auras toujours des problèmes. Vous aurez toujours des problèmes, toujours des problèmes, toujours des problèmes. Et vous n'en finirez pas. Donc le mariage demande beaucoup de maturité, beaucoup de patience. On a Jacqueline qui dit, j'avance pas, j'étouffe. Une femme de Dieu m'avait dit, je ne vais pas me marier, que Dieu m'a réservé, réservé quelqu'un d'autre. Je n'ai pas écouté, aujourd'hui je pleure. Ah, ma fille, courage. Courage vraiment, on va, on va encore faire comment c'est fini. Vous êtes dedans déjà, faut supporter. Nous on a prier pour vous. Parce que c'est ça le pouvoir avec le mariage. Quand tu l'as dedans, tu es dedans. Tu l'accordes déjà au niveau de ton cou en fait. Tu es foutu quoi. Donc quelqu'un dit, vaut mieux être bien pendu que d'être mal marié. Donc, euh, prenez le temps. Tant que tu, tu n'as pas une conviction à 100%, n'entre pas dans le mariage. Tant que tu n'as pas une conviction à 100%. N'entre pas. Tu dois avoir une conviction ferme. Donc maintenant, comment faire pour éviter donc cela Premièrement, il faut soigner ton caractère. Lorsque tu veux épouser une bonne personne, tu as soif d'épouser une bonne personne. Tu aspires à avoir une bonne femme, un bon homme. Il faut que toi-même tu sois une bonne personne d'abord. Donc il faut un travail euh, introspectif. Il faut un travail. Il faut faire une rétrospection sur toi-même. Tu vois, il faut faire une rétrospection sur toi-même. Ça, c'est important. Tu dois te poser la question de savoir est-ce que moi-même, je suis une bonne personne Donc, si tu aspires à avoir une bonne personne, un homme bien, une femme bien, comme épouse, il faut que toi-même, tu deviennes une bonne personne. Donc, ça, c'est la première chose. Deviens une bonne personne toi-même. Donc, si tu veux avoir un homme sérieux ou une femme sérieuse, toi-même, deviens une personne sérieuse. Donc, tu dois faire comme. Euh, une prise de conscience, un examen de conscience sur toi-même pour rectifier dans ta vie tout ce qui est mauvais en fait. Dans ta façon de parler, dans ta façon, euh, euh, sur le plan comportemental, sur le plan verbal, euh, euh, sur le plan caractériel, etc. Tu dois, tu dois lave-toi toi-même d'abord, examine-toi toi-même, rectifie tes propres erreurs. Enlève tout ce qu'il y a de mauvais dans ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon de te comporter. Tout cela, il faut rectifier ça. Et devenir une bonne personne. Et commence à prier donc pour avoir une bonne personne. Ça, c'est la première chose. De deux, il faut prier Dieu. Il faut associer Dieu au choix de ton conjoint. Associe Dieu. Lorsque si tu croises une personne, parle à Dieu. Parle de cette personne à Dieu. Et demande à Dieu de te parler aussi de la personne. Et sois prêt à obéir. Lorsque Dieu te donnera une instruction par rapport à la relation, et Dieu ne viendra pas toujours te dire que ça c'est une mauvaise personne, ou que ça c'est pas ton mari, ça c'est pas ta femme. Parfois, Dieu parle par des signes. Il faut bien interpréter ces signes. Plusieurs d'entre nous, on s'est retrouvé dans des situations compliquées, dans le mariage, parce qu'on n'a pas su interpréter les signes. Ou même parfois, quand les signes sont venus, on a interprété, on s'est dit que ah non, 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 c'est des mauvais signes. Ce pas des bons signes là-bas, c'est un mauvais signe, vous voyez. Donc il faut. Il faut faire attention, euh, papa. Ça fait 18 ans que je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, mais je vois beaucoup de hommes. J'ai toujours trouvé que c'est les journaux, que c'est les journaux. Voilà, je comprends pas bien. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et quand le Seigneur te donne, quand le Seigneur te donne, le Seigneur t'a donné déjà les clés. Ça, tu as pu changer ce qui est mauvais en toi. Tu es devenu une bonne personne. Tes mauvais caractères, le comportement tortueux que tu avais tu as pu rectifier cela, parce que c'est ça en fait le plus dur. Vous savez que l'homme égoïste, parfois on exige des autres ce que nous-mêmes on n'offre pas. Donc il faut que tu sois une bonne personne. Quand tu as réussi ce pari-là, maintenant tu demandes à Dieu d'intervenir. Le Seigneur le fera. Si tu es une bonne personne, je ne vois pas comment Dieu va aller te donner une mauvaise personne. Et il faut que les gens m'écoutent bien, ce que je dis là est très très sérieux. Si tu es une bonne personne, une bonne femme, une femme... Il y a des femmes douces mes amis, il y a des femmes douces. Il y a des femmes, ça existe, je crois en ça. Les gens disent que le vrai amour n'existe pas, moi je crois en ça en fait. Il y a, mais où les trouver Il y a des hommes comme ça, des personnes bonnes, de bonnes personnes, etc. Et il faut comprendre cela. Des hommes comme ça existent, mais où les trouver Maintenant, ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que lorsque tu croiseras même un homme qui est bien, ou bien une femme qui est bonne, il ne faut pas oublier que personne n'est parfait. Il y aura encore des choses que tu vas rectifier dans la personne, en fait. Toi, tu vas maintenant modeler la personne selon ce, qu ce qui te chier. Et la personne te modèle aussi ce qui lui chier. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, quoi que tu rencontres une bonne personne, mais... Il y aura quand même des petites choses résiduelles là qu'il faudra arranger, des petits réglages, des derniers réglages sur la personne. Il faut être patient, il faut être mature, aider la personne. Vous voyez, une relation, c'est l'auto-éducation, l'auto-éducation. Ça demande beaucoup de patience, de maturité et de pardon, un esprit de pardon. Il faut être capable de dire Non, regarde ici, là, tu éduques ton mari, tu éduques ton homme et ton homme t'éduque aussi. Mais si tu vois une imperfection dans ton homme, tu te fâches ou tu vois une imperfection dans ta femme, tu te fasses. Et c'est ça l'erreur de la majorité des couples, en fait. Tu te fasses, tu prends des décisions, tu prends des choses. Tu dis, ah non, non, ça devient tout un problème, pourtant tu peux aider. La personne a juste parfois besoin d'un mot d'encouragement, d'une parole douce, d'une parole mature, d'une bonne semence dans son cœur et la personne devient meilleure. Mais parfois, l'intolérance fait en sorte que nous perdons nos opportunités. Nous-mêmes, nous perdons ce qui nous était précieux. Vous voyez, après, c'est le regret. Des années après. Parce que parfois, il y a, y a des séparations qu'on ne se rend pas compte de l'erreur maintenant. Parce que c'est après. Donc, bah, ça fait le bilan de sa vie qu'on se rend compte que non, on avait mal géré telle chose, qu'on pouvait faire autrement, qu'il y avait d'autres solutions, en fait. Ouais. Donc, la patience est importante dans les relations, en fait. La patience est capitalissime. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme. La patience est capitalissime. La maturité aussi est, cap est capitalissime, vous voyez. Et je pense que c'est un peu ça. Donc cet amour, cette complicité-là, ces choses-là, se rencontrer, c'est un grand travail. L'amour, c'est un grand chantier en fait. Les relations, se mettre en couple, c'est une grosse responsabilité. C'est un gros travail. Ça demande beaucoup d'énergie. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Stéphanie, quoi Je vous ai écrit sur WhatsApp prophète en fait, depuis quelques jours. Bon, il faut dire, il faut dire que... Le, le WhatsApp, là. WhatsApp, pour ceux qui ont mon WhatsApp, là, c'est 692. 692. Euh, combien Mon WhatsApp. D'accord, il faut voir mon direct. Il faut voir le titre du direct. Je vais mettre le WhatsApp sur ça. Pour tous ceux qui veulent avoir plus de conseils. Qui veulent avoir plus d'explications ou de prières pour leur vie sentimentale, vous allez mon WhatsApp sera affiché après mon direct. Retournez dans le direct tout simplement, retournez dans le direct, regardez le titre. Je ne vais pas renommer le direct, je vais le renommer et je vais afficher, je vais mettre les, les WhatsApp là dedans pour ceux qui voudraient qui ont des problèmes de couple, qui veulent avoir des, des conseils ou ceux qui ont des déceptions amoureuses. On va prier et on aura un séminaire sur le mariage euh, ces jours-ci par la grâce du Seigneur Jésus Christ. Donc voilà, bien-aimé, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Et lorsque tu te rends compte que le rejet dans ta vie, c'est spirituel, à partir de ce moment-là, il faut la prière. Il faut la prière. Il faut la prière. Voilà, il y a un verset ici que j'aime beaucoup. 1 Pierre 3.1. Félicite à votre conduite et la prière le ramèneront. Voilà. 1 Pierre 3.1. On va lire ça avant de sortir ce matin, vous voyez il faut mettre Dieu au cœur de nos relations, mes amis. Il faut mettre Dieu au cœur de ta relation. Laisse Dieu conduire ta relation sentimentale et sois patient. Sois patient, sois patient. Il n'y a pas de mariage parfait. Vous devez savoir cela. Il n'y a pas de mariage parfait. Il dit, vous de même femme, soumettez-vous à votre mari. Vous de même femme, soumettez-vous à votre mari ainsi ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leur femme ouais. en observant votre manière de vivre pure et respectueuse que votre parure ne soit pas une parure extérieure cheveux tressés ornements d'or ou vêtements élégants mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu c'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraît autrefois. Elles se soumettaient à leur mari, comme Sarah, qui a obéi à Abraham en l'appelant son Seigneur. Vous êtes devenues ses filles en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Vous voyez. Et il va expliquer que la femme ne doit pas se laisser aller seulement à la parure extérieure. Le Nyanga, vous voyez. Elle se rend belle, elle est préoccupée, elle est belle, elle a des jolies mèches, dernière crise sur la tête toujours, les montres, dernière crise, etc., mais elle ne respecte pas son mari. Non, non, l'apôtre Pierre explique que non, c'est une erreur en fait. C'est mieux d'avoir une femme qui n'a pas toutes ces choses-là, mais qui respecte son mari. Ou alors, la femme qui fait ces choses-là et respecte son mari, elle a gagné, c'est l'idéal en fait. Donc il veut dire quoi Il veut dire qu'il y a certaines femmes qui mettent plus l'accent sur la beauté physique que sur la beauté intérieure. Et l'apôtre Pierre explique, en fait, c'est une grave erreur que les femmes commettent. La première beauté doit être intérieure, que ce soit chez la femme ou bien chez l'homme. Et dit, Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Oui. Et dit, enfin, ayez tous... Les mêmes pensées et les mêmes sentiments, soyez pleins d'amour fraternel, de compassion, de bienveillance. Vous voyez. Donc dans un couple, il faut avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, être plein d'amour fraternel, de compassion et de bienveillance. Et dit, ne rendez pas le mal pour le mal, ni l'insulte pour l'insulte. Bénissez au contraire. Vous le savez, c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter de la bénédiction. Bon, mais dans un couple où on rend le mal pour le mal, à dire que c'est le, 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 le ping-pong. L'homme insulte, la femme insulte. Parce que l'homme a fait comme ça, a mal agi, la femme aussi doit mal agir. Sinon, elle ne sera pas satisfaite. Parce que la femme a mal agi, l'homme aussi doit aussi riposter. Sinon, elle ne sera pas satisfait. C'est ça qui détruit le foyer. Or, la Bible nous a tout donné comme conseil. On a tous les conseils dans les saintes écritures pour le bon fonctionnement de nos foyers. Pour le reste, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour ta vie sentimentale ce matin. Il Estelle Alimonde, papa, j'ai un homme qui a... Papa, j'ai un homme qui a un caractère difficile, qui ne rit jamais. Aime les accusations. Je suis dans la frustration véritable, ça me dérange beaucoup. Il ne veut plus de moi. S'il te plaît, pas prier. Mais si un homme ne veut pas de toi, il ne veut plus de toi, pars. Si tu n'es pas marié, pars. Même si tu es marié avec un homme qui dit qu'il ne veut plus de toi, il faut partir. Le mariage n'est pas forcé. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Demain, je vais répondre à une question. mon dirait, demain, c'est samedi. Hein. Samedi. Bon. On peut faire une direct à 21h, il n'y a pas de problème. Demain, je fais faire une Doit-on un chrétien petit divorcer Quelle est la place du divorce dans un mariage dont La place du divorce dans la vie chrétienne On va voir ça, le divorce. On ne voit pas du divorce. Est-ce si que c'est permis de divorcer Voilà. Père, merci pour ta grâce au nom précieux de Jésus. Je prie pour tous ceux qui subissent des attaques dans leur vie sentimentale, pour ceux qui ont l'esprit de rejet dans leur vie, qu'ils soient libérés maintenant au nom puissant de jésus que ce démon de déception amoureuse les quitte. Je prie aussi pour que tu guérisses et traites, Seigneur, notre caractère, nos caractères, nos tempéraments, nos habitudes, les mauvaises habitudes, Seigneur, que nous devenions de bonnes personnes pour avoir mérité aussi de bonnes personnes, dans le nom précieux de Jésus. Père, je prie pour toute personne, tout homme, toute femme qui a, qui languit après le mariage et qui est prête, qui a la volonté de changer, que l'esprit de Christ transforme nos cœurs et agisse dans nos caractères, dans notre façon de penser, de parler, d'agir. Afin de faire de personnes meilleures. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis les jeunes femmes, bénis les jeunes hommes. Et donne à ton église la grâce de se marier comme cela a été fait avant. Que le mariage retrouve sa valeur dans nos églises, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos âmes, au nom de Jésus. Seigneur, qu'une vie de consécration soit rétablie dans ta maison, afin que nous soyons des hommes et des femmes modèles, intègres et pleins de dignité. Afin de bâtir des foyers qui n'échouent pas. Que Satan soit réprimé. Dans nos vies sentimentales, au nom précieux de Jésus. Père manifeste ta gloire et glorifie ton saint nom au nom précieux de Jésus. On a prié. Amen. Voilà, bien-aimés, ce dimanche, ne manque sous aucun prétexte au grand culte de délivrance familiale et de haute tension prophétique du côté de Coaban. Ce dimanche, à partir de 7h30. Donc, j'attends tout le monde qui est dans Yaoundé, dans les périphériques de Yaoundé, ne manque sous aucun prétexte. Et pour mes bien-aimés qui sont loin, Sois connecté, Dieu va te bénir. Il y aura une parole de Dieu pour toi. La distance n'est pas une barrière. Et à Douala, la, la semaine qui est en train de venir, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, mardi, mercredi, jeudi, la semaine prochaine, je serai à Douala, mardi, mercredi, jeudi, et Dieu se manifestera puissamment. De Douala, on sera à village. Douala, village. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui veulent m'écrire, qui ont des problèmes, des difficultés, des défis, mon WhatsApp, je vais vous le laisser à. Euh dans l'introduction, dans la, le titre du direct. Donc, dès que j'ai fini le direct, retournez sur ma page, retournez sur ce direct, vous allez voir le WhatsApp qui sera affiché là-bas. Que Dieu vous bénisse au nom prêché de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bye.